إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alors le sujet de la conférence, ce n'est pas questionner son âme, ce n'est pas simplement un bilan ou ce n'est pas simplement al-muhasaba. Parce que très souvent, lorsqu'il m'est arrivé dans le passé de faire des conférences, on explique aux gens qu'on doit essayer de voir un petit peu, analyser l'exaction qu'on a fait dans le passé. Essayer d'être plus responsable, vouloir changer, vouloir s'améliorer. Et au fur et à mesure du temps, et spécifiquement avec mes élèves qui peuvent me faire un retour des conférences mais aussi des cours, j'ai vu qu'il y avait une problématique qui est commune finalement à nous tous. C'est qu'en fait, finalement, on ne sait pas réellement, très souvent, questionner son âme. Quelles sont les questions pertinentes à se poser ? Parce que faire un constat et dire « il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie », c'est bien, c'est une étape. Mais si maintenant mon analyse et si maintenant les questions que j'ai posées à mon âme ne sont pas les bonnes, eh bien je vais aller chercher des réponses qui finalement sont peut-être pas les, ne sont peut-être pas les plus importantes à obtenir. Et peut-être que je vais m'attacher à mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui sont moins importantes et que je vais délaisser les fondements. C'est une possibilité. Donc cette conférence, elle a pour but d'essayer en tout cas de pouvoir dessiner un schéma, un croquis de quel type de questions nous devons nous poser. Et c'est la raison pour laquelle la conférence est articulée autour de questions. Et à chaque fois, on va tenter d'amener des parcelles de réponse, inshallah ta'ala. Autre élément important, je n'ai absolument pas l'habitude de faire des conférences alors que je suis en état de siyam. Donc je vous demande dès maintenant d'être, indulgent. Voilà, vous voyez, j'ai du mal à trouver le mot, d'être indulgent avec moi vis-à-vis des types de mots et la syntaxe française et arabe que je vais employer, parce que d'habitude, je ne fais jamais de conférence en état de siyam. Je l'ai fait parce que c'est mon élève, l'Ahsan, jazakallahu khair, qui m'a demandé de venir. Jazakallahu khair. Allah Azza wa Jal nous dit « Bismillahir Rahmanir Rahim »« Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » Ce qui signifie « A réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. » Donc ici dans ce verset et de nombreux autres versets, Allah Azza wa Jal nous renseigne sur un élément important. C'est que « Tazkiyatun nafs » La purification de l'âme est la clé de la réussite dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et pour être plus précis, c'est la clé de la réussite pour la vie de l'au-delà et donc une réussite bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie d'ici-bas. Alors on va commencer à se poser des questions. Première des questions, elles vont vous paraître peut-être simples et évidentes, mais néanmoins il est toujours bon de se rappeler les fondements, parce que c'est sur les fondements qu'on construit notre dîn, c'est sur les fondements qu'on construit notre dogme, notre aqidah. Première des choses, qui m'a créé et pourquoi j'ai été créé? Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créé alors qu'il ne nous doit rien. Il nous a créé par simple miséricorde et par simple volonté de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie alors que nous n'avions droit à strictement rien. C'est simplement sa miséricorde qui nous a donné la vie dans nos corps. Premier des éléments. Deuxième des éléments, pourquoi j'ai été créé. Eh bien, on connaît tous le verset قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Mais ici, il y a un élément qui est important. Quand on parle d'adoration, on ne parle pas simplement de salah. Quand on parle d'adoration, on parle de changer ce qu'on nomme en français le paradigme. C'est quoi le paradigme? Le paradigme, c'est ta vision du monde. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous a créés pour pouvoir l'adorer dans toutes les dimensions de nos existences. Et nous, musulmans, nous avons l'occasion d'adorer Allah Azza wa Jal pas uniquement pendant la prière, pas uniquement pendant le siyam, pas uniquement pendant le hajj, mais dans tout ce qu'on va faire.
lorsque je vais acheter une marchandise et que je vais respecter les conditions d'achat et de vente qui sont inscrites dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train d'adorer Allah azza wa jalla. Lorsque je vais m'adresser à ma femme de la meilleure des façons, lorsque je vais avoir de la miséricorde envers mes enfants, lorsqu'on va me provoquer et que bi-idhnillah, je vais avoir la force de ne pas répondre à la provocation par la violence. Je suis en train d'adorer Allah azza wa jalla. Lorsque je vais travailler et que je serai le premier sur mon lieu de travail et peut-être même le dernier à repartir, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle, si je fais mal mon travail, si je suis violent avec les gens, eh bien je commets un péché. L'inverse du péché, c'est l'adoration. Et l'inverse de l'adoration, c'est le péché. Troisième élément important dans cette question, pourquoi ai-je été créé ? Une question de base que je ne cesse de répéter à chaque conférence. Ai-je été créé pour être heureux ou bien ai-je été créé pour être soumis? Est-ce que j'ai été créé moi pour être heureux? Est-ce que le but de mon existence, est-ce que le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé, c'est le fait que moi je me sente bien selon mes propres conditions et mes propres conceptions du bonheur? Ou bien alors est-ce que j'ai été créé pour être soumis? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si je pense avoir été créé pour être heureux, cela signifierait qu'à partir du moment où moi je ne suis plus heureux, où mon nefs, mon âme n'est pas apaisée, eh bien à ce moment-là, il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors qu'en vérité, قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. L'islam a commencé étranger, il va retourner étranger comme il a commencé. Ainsi la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle soit annoncée aux étrangers de cette vie d'ici-bas. Les étrangers, c'est des gens qui sont montrés du doigt, qui sont en désaccord avec tout un tas de choses qui se passent. Donc, dans leur cœur, si on veut regarder les critères de base du bonheur, ils n'y sont pas. T'es mon zayyar, on te regarde mal, on te reproche ta croyance, on te reproche parfois même ton apparence, à nos femmes, on pourra leur reprocher leur hijab, etc. Donc si moi maintenant je crois que j'ai été créé pour être heureux, à la moindre petite épreuve, vous savez ce qui se passe ? Je lâche. On a été créé pour être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité du pourquoi de notre création. Allah aime que ses créatures lui soient soumises. Allah aime nous voir prosternés devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala aime nous voir faire tahmid, c'est-à-dire clamer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime nous voir le remercier des bienfaits qu'il nous a donnés. On a été créé pour être soumis. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Plus on est soumis comme il se doit, dans la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus on est heureux. Mais ce n'est pas le même type de bonheur. C'est le bonheur des ghuraba. C'est le bonheur des étrangers à ce bas monde. Ce n'est pas le bonheur qui vient te dicter que plus tu vas posséder des choses et plus tu seras heureux. Ce n'est pas le bonheur qui te dit que plus les gens vont te regarder avec des yeux brillants, pleins d'admiration, et plus ton âme, ton ego va se sentir bien, et plus donc tu vas avoir le sentiment de dominer les gens. Non, c'est un autre type de bonheur. C'est un bonheur qui est basé sur halawat al-iman. Halawat al-iman, les délices de la foi. Et ces délices de la foi, on ne peut pas les avoir tant qu'on n'est pas soumis à Allah Azza wa Jal. D'où l'importance de cette question-là. Pourquoi j'ai été créé ? J'ai été créé pour être soumis. Et si cette soumission, je veux que de cette soumission naisse un bonheur réel qui est agréé d'Allah Azza wa Jal, et de pouvoir donc goûter à halawat al-iman, les délices de la foi, bien il va falloir que je prenne la voie qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la question, Allah Azza wa Jal nous a créé, mais de quoi sommes-nous composés? Première des choses qui est la moins importante, qui est la plus éphémère, hein, c'est le corps. On a un corps. Ce corps ne nous appartient pas, c'est une amana. C'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. C'est la raison pour laquelle toute personne qui maltraite son corps devra en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement. On est jugé sur la façon dont on traite notre corps. Deuxième des choses, on est composé d'un nefs. Alors un nefs, on peut la traduire de plein de façons, notamment par l'âme, notamment par l'ego. La nefs, c'est quelque chose qui est au service de lui-même. Le but du nefs, c'est de s'auto-satisfaire lui-même. D'accord ? Et la pire des choses qu'il puisse avoir, c'est quand la nefs est à l'écoute du corps et quand la nefs est soumise au corps.
quand ton âme est soumise à ton corps. C'est la pire des situations qu'on puisse avoir. Parce que du corps naissent les passions. Et si l'âme se met esclave des passions, elle n'est plus soumise à Allah Azza wa Jal, mais elle est soumise à elle-même. D'où la difficulté que certains ont à délaisser certains péchés qui sont liés aux passions. Allahumma shfina, ya rabbal alamin. Qu'Allah guérisse nos cœurs. Autre élément, on a ruh. Ruh qui est l'esprit. Qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui lui est pur. L'esprit est pur. L'esprit est dirigé vers l'adoration et le but de l'esprit, c'est quoi? C'est de satisfaire Allah Azza wa Jal. Donc on a au final un combat entre d'une part un nefs, l'âme, l'ego, et d'autre part ruh, l'esprit. Et plus cette balance va vers le nefs, et moins la personne peut aisément adorer Allah Azza wa Jal, faire œuvre de soumission et pouvoir accomplir des actions qui soient pures, avec une intention sincère. Mais plus ruh, plus l'esprit reprend le dessus, et plus on arrive à adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Le quatrième élément duquel on est composé, c'est le cœur. Kama ta'lamun, al-qalbu mahallu l'iman. Le cœur, c'est l'endroit de la foi, mais attention, c'est l'endroit de la foi, mais ça peut être aussi l'endroit du kufr, de la mécréance. Ça peut être aussi l'endroit du nifaq, de l'hypocrisie. Ça peut être aussi l'endroit du kibr, de l'orgueil, qu'Allah nous préserve. Le cœur, il est comme un roi. C'est lui qui va décider au final. Donc dans les questions de base à se poser, qui m'a créé? Pourquoi il m'a créé? Et de quoi est-ce que moi je suis composé? C'est des questions qui sont très importantes. D'accord? Je vais vous donner une image qui nous permet de retenir un petit peu ce dont je vous ai parlé, entre d'une part nefs, d'autre part ruh, d'autre part le corps, etc. On va prendre l'image de Surat Yusuf, alayhi salam. On va partir sur une image qui est la suivante. Imaginez-vous que Yusuf, c'est le ruh. D'accord? Yusuf, c'est l'âme. C'est une métaphore. Yusuf, c'est l'âme. Il est comment Yusuf, alayhi salam? Soumis à son Seigneur, toujours à vouloir faire le mieux, toujours à se diriger vers Allah Azza wa Jal, yatawakkalu alayhi wa huwa sabir. Il s'en remet toujours à Allah Azza wa Jal. Il est l'expression même de la patience avec le prophète Ayoub alayhi salam, bien sûr. Il représente l'âme. On a Imra'atul Aziz, la femme de l'Aziz. Elle est comment? Elle représente nefs, l'ego. Elle est au service d'elle-même. Elle cherche à assouvir toutes ses passions. C'est vrai ou pas? Et il y a un combat entre deux. Lorsqu'elle lui propose d'être dans le haram, le ruh, à ce moment-là, est-ce qu'il a pris le dessus ou pas? Il a pris le dessus et il a préféré être en prison. Et on a un troisième protagoniste, ce sera le roi. Le roi va faire quoi? Il va décider de libérer Yusuf alayhi salam. Le roi, c'est ton cœur, Akhil Kerim. Et on regarde dans la qissa de Yusuf alayhi salam, plus le temps avance dans la qissa et plus se passe quoi? Après, on a des riwayats vis-à-vis de la femme de l'Aziz. De ce que je sais, Wallahu a'lam, il n'y a rien d'authentique. D'accord? Vis-à-vis du fait que Yusuf alayhi salam, par la suite, s'est marié avec cette femme-là. Elle était âgée, il a fait dua, elle est redevenue jeune, etc. Tous ces affars, on peut les prendre comme quoi? Comme des israiliyettes. C'est quoi des israiliyettes? Ce sont des histoires qui sont rapportées par le peuple juif et par le peuple chrétien. On peut s'en servir dans quoi? Dans l'histoire des prophètes. On peut s'en servir aussi dans l'histoire de façon générale. Mais pas pour prendre ce qu'on appelle un hukm shar'i. On ne peut pas prendre une histoire qui n'a pas de chaîne de transmission et dire ça c'est halal, ça c'est haram, etc. Par contre, on peut s'en servir dans, par exemple, Qasasul Anbiya. Qui a déjà lu le livre de Ibn Kathir, Qasasul Anbiya? Non, personne? Qasasul Anbiya? Bah, vous connaissez quoi des prophètes si vous n'avez pas lu Qasasul Anbiya? Qasasul Anbiya, tayyib. Dans Qasasul Anbiya, est-ce que tout est authentique dans Qasasul Anbiya? Non, pas du tout. Il y a plusieurs ahadiths qui sont faibles et il y a plusieurs israéliens, c'est-à-dire des histoires qui sont rapportées des communautés juives et chrétiennes. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Oui, il a le droit de faire ça. Tant qu'il précise que c'est des israéliens et tant qu'il ne s'en sert pas pour donner ce qu'on appelle un hukm shara'i. Dire telle chose est obligatoire, telle chose est illicite, telle chose est préférable, telle chose est détestable ou telle chose est mubah. D'accord? Donc on a des israéliens qui nous disent que Yusuf alayhi salam s'est marié par la suite avec cette femme-là. Regardez. On avait Yusuf qui est
l'esprit, qui est la pureté. On a cette femme qui est le nefs au service d'elle-même et qui ne cherche qu'à assouvir ses passions. Et donc Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est elle qui domine, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en prison. Comme les cœurs de certains. À partir du moment où on met l'esprit en prison et qu'on laisse un nefs, l'ego, l'âme prendre le pas, eh bien les bonnes choses sont mises en prison. Et regardez au fur et à mesure de l'histoire. Youssouf alayhi salam patiente et il se fait connaître par le cœur. Le cœur c'est qui? C'est le roi. Et cette femme-là de son côté, elle a un cheminement. Vous vous rappelez dans Sourate Youssouf par la suite, elle vient et elle témoigne elle-même. Quand on propose à Youssouf alayhi salam de sortir, il dit non, allez d'abord demander à la femme de l'Aziz. Et elle témoigne, non, il n'a jamais rien fait, c'est moi qui lui ai proposé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est purifiée. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'esprit qui est remonté. Et donc Youssouf alayhi salam dans le pays, par la suite, il peut faire un travail qui sera Mahmoud, qui sera un bon travail. C'est simplement une image, peut-être vous la retiendrez, Inch'Allah. Elle m'a beaucoup plu lorsque je l'ai entendue. Qu'Allah récompense les mashaykhs qui ont trouvé ces trésors dans les réflexions tadabbur du Qur'an al-Karim. Alors on doit se poser la question, qu'est-ce qui domine en moi? Si d'une part j'ai une âme, et d'autre part j'ai un esprit, alors qu'est-ce qui domine en moi? On a vu les caractéristiques de l'âme. L'âme fait quoi? L'âme est au service d'elle-même. L'âme cherche à assouvir les passions. L'âme n'accepte pas l'échec. L'âme n'accepte pas le refus des autres. L'âme cherche à s'imposer. Parce que l'âme cherche à mettre tout le monde à son service. L'esprit, c'est exactement l'inverse. L'esprit est au service d'Allah Azza wa Jal, donc les créatures en face de lui ne sont pas importantes. L'esprit est là pour tout le monde et il ne demande rien en échange. L'esprit est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut se poser la question, qu'est-ce qui domine en nous? Et c'est des questions qu'on doit se poser peu importe son âge. Qu'on ait 15 ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 80 ans, yaoum al-qiyama, on va tous le vivre. Et on sera tous jugés de la même façon. Peu importe notre âge, peu importe nos origines, peu importe notre milieu social, on va tous passer par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai trouvé tout à l'heure en cherchant un petit peu un bait qui m'a plu. Donc pour les arabophones, je vais vous le dire, Inch'Allah. Je l'ai quand même traduit en arabe pour les francophones uniquement. Faqa al-sha'ir. Ya khadim al-jasami kam tashqa bi khidmatihi. Tatlubu ribha fima fihi khusran. Aqbil ala al-nafsi wastakmil fada'ilaha. Fa anta bin nafsi la bil jasami insan. C'est joli, mashallah. Je vous l'ai traduit avec mes propres mots. Ô toi le soumis à ton propre corps, tu ne cesses de te plaindre de cette soumission. Tu cherches à obtenir un bénéfice avec ce qui pourtant n'est que perte. Tourne-toi vers ton âme et complète ses qualités, car c'est ton âme qui fait de toi un homme et non pas ton corps. Ce que signifie ces abiyat, c'est ô toi le soumis à ton propre corps, tu ne cesses de te plaindre de cette soumission. Lorsqu'on a des illuminations de foi, on se rend compte que parfois on n'a pas pris la bonne voie. Qu'on a dans notre façon d'être parfois de la bassesse. Qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Et ça, c'est les états dans lesquels on a laissé notre nefs nous dominer et qu'on est au service de notre corps. Et c'est pour ça qu'il dit, ô toi le soumis à ton propre corps, tu ne cesses de te plaindre de cette soumission. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu cherches à obtenir un bénéfice avec ce qui n'est que perte. Atatlub ribha fima fihi khusran. T'essaies d'obtenir de bonnes choses dans ta vie. Tu veux une baraka, tu veux être bien, tu veux être pieux. Mais au lieu d'être au service de ton esprit, tu es au service de ton âme, tu es au service de ton ego. Et ton ego est au service de ton corps. Tu te plains d'une situation, mais c'est toi qui t'y mets tout seul. Voilà ce que veut dire le shaykh. Tourne-toi vers ton âme et complète ses qualités. Ah, ça veut dire quoi là? Relève les manches. Ça va être dur. Ça va être difficile de combattre son âme. Vous savez, on a souvent des alibis dans la communauté, dans toutes les communautés du monde, pas uniquement la communauté musulmane, mais il y a souvent des alibis qu'on se donne à l'inaction, ou alors à des actions qui sont illicites. Je ne vais pas dire d'origine, mais par exemple, moi je suis de telle origine, c'est normal, je suis un nerveux, je suis colérique. C'est vrai ou pas? Comme si ce n'était pas grave. En fait, tu as un passeport d'une certaine couleur
Et comme tu as ce passeport, alors je ne peux pas te reprocher d'être en colère. Mais c'est haram. C'est illicite d'être en colère, c'est illicite d'être violent, c'est illicite d'être mauvais avec les gens, c'est illicite tout ça. Et ce n'est pas parce que tu es de telle ou telle origine ou de telle catégorie ethnique qu'on va pouvoir justifier. Et ça, ça fait partie des wasawis de Shaitan. Parmi les autres wasawis de Shaitan, c'est « Allah ghalib, moi je suis comme ça. » Au-delà de la « Non, moi je suis comme ça. » Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas changer? Ah, si tu veux changer tout seul, si on veut changer nous-mêmes, sans la voix de l'islam, je suis d'accord avec toi, tu n'arriveras pas à changer. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Mais quand vraiment on est dans une optique de purifier son âme, Wallah mes frères, j'ai rencontré des gens dans ma vie, des Wallahu ta'ala a'lam, wa la nuzakki 'ala Allahi ahada, des gens qui paraissaient être parmi awliya Allah, des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris l'islam comme quelque chose que l'on vit. Ils ont pris leur responsabilité vis-à-vis de leur âme et ils se sont battus contre leurs propres âmes. Un des pires wasawis, c'est de se donner des alibis à l'inaction. Qu'Allah nous préserve. Donc il nous dit, tourne-toi vers ton âme et complète tes qualités. Aqbil ala nafsi wastakmil fada'ilaha, car c'est ton âme qui fait de toi un homme et non pas ton corps. D'accord ? Fa anta bin nafsi la bi jasami insan. Bil jasami insan. C'est pas parce qu'en fait tu vas pouvoir, comment dirais-je, ce qui fait de toi une créature mufaddala indallah, ce qui fait de l'homme avec un grand H, donc homme et femme bien évidemment, ce qui fait de l'homme une créature honorée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il est mis en nous ce nefs, ce ruh, donc cette âme et cet esprit, et qu'on est en face les uns des autres et qu'on a le choix d'agir. Bien sûr, le tout est enveloppé par la prédestination d'Allah, le qadar d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas par nos corps qu'on a une valeur, mais c'est par ce qu'on est en train de faire à nos âmes. Comment on va parfois les maltraiter. Moi, je me rappelle, il y a un da'i que j'aime beaucoup, Jazakallahu khair, qui, lorsque je me suis converti à l'islam, vraiment, ça faisait, je sais pas, 3 semaines, j'étais converti à l'islam, je l'ai rencontré. Une fois, j'étais parti le voir à son travail, et on n'était ni lundi ni jeudi. Et donc, je lui propose à manger, et il me dit « Non, je ne mange pas ». Et je dis, ouais, cheikh, je comprends pas, on n'est pas lundi, on n'est pas jeudi, c'est pas la pleine lune, c'est pas Ramadan. Vous voyez, les musulmans aiment jeûner le lundi et le jeudi, les 3 jours de pleine lune, d'accord. Mais c'est rare de voir des gens, par exemple, qui font le siyam de Daoud alayhi salam. Le siyam de Daoud alayhi salam, c'est jeûner 1 jour sur 2. C'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton âme, elle n'a pas le temps de s'habituer, ni à manger, ni à pas manger. Donc c'est le plus difficile. Il me dit, non, il me dit, c'est pas pour ça. Il m'a dit, j'ai mon âme qui fait la maline en ce moment avec moi. J'ai voulu me lever ce matin pour la prière. Elle a commencé à me raconter des histoires bizarres, je ne sais pas, il faut qu'on dorme. Elle a commencé à se donner des alibis. Elle a dit, je vais la addab un petit peu. J'ai hlef que je vais faire 2 semaines de siyam. Et il s'est mis 2 semaines de siyam. Vous voyez la relation? Il y a moi, c'est l'esprit. Il y a toi, c'est nefs. Tu ne veux pas être sur sirat al-mustaqim? Moi, je vais te dresser. Je vais te dresser. C'est marrant parce que les gens, souvent, ils font preuve d'autorité envers les autres. C'est vrai ou pas? Parfois même de violence envers les autres, mais pas envers eux-mêmes. D'accord? Donc, si on était un peu plus doux avec les autres et un peu plus dur avec nous-mêmes, ce serait peut-être mieux. Parce que souvent, vous avez remarqué ça, les gens ont une grande capacité à être doux avec eux-mêmes. Pourtant, Allah Azza wa Jal, quand il décrit les croyants, c'est « Adhillatin ala al-mu'minin, izzatin ala al-kafirin, ila akhirih ». D'accord? Il y en a, ils sont « Adhillatin ala anfusihim ». Ils sont doux avec eux-mêmes et ils sont durs avec les autres. Alors que c'est l'inverse. On doit être exigeant avec nous-mêmes et patient avec les autres. On doit être plus dur avec nous-mêmes et plus doux avec les autres. C'est comme ça qu'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte là, la discipline qu'il avait? Vous vous rendez compte, Qiyam al-Layl, toutes les nuits de sa vie? Vous vous rendez compte, le Qur'an al-Karim? Vous vous rendez compte les batailles auxquelles il a participé, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, avec les autres, il était toujours léger. Toujours léger. Dur avec lui-même, exigeant avec lui-même. Enfin, dur, ce n'est pas le bon terme. Exigeant avec lui-même et léger avec les autres. Allahumma arzuqna. Donc, qu'est-ce qui domine en moi? Sans rentrer dans le détail, comme vous le savez, il y a 3 types de cœurs. D'accord? Il y a le cœur qui est vivant, il y a le cœur qui est malade, il y a le cœur qui est mort. Allahumma ahfazna.
En fait, ça correspond à la balance qu'on a dans notre cœur. Un cœur vivant, c'est quoi? D'accord? Un cœur vivant, c'est celui dont Ruh, l'esprit, domine. Allahumma rizukna ya rabbal alamin. C'est une personne pour qui l'adoration, c'est comme respirer. C'est une personne pour qui la prière, c'est qurrata al-a'yun. C'est la prunelle de ses yeux. Mais ça, c'est un travail pour arriver jusque-là. Et on n'y arrive pas vite. On y arrive avec des années. On y arrive avec du temps. On y arrive avec de la discipline. On y arrive avec, pas simplement une lecture du Qur'an, qui est une lecture qira'a, satahiyya, harfiyya, alhamdoulilah fihi ajr, ala kulli hal. Même si on lit le Qur'an sans le comprendre, on a une récompense. Mais c'est une lecture du Qur'an qui est, bon, comment je vais changer aujourd'hui? Un verset sur l'enfer, il m'est adressé. Un verset sur le paradis, j'en suis pas digne. Un verset qui décrit Allah Azza wa Jal, ça ne fait que me rappeler mon imperfection et mettre en évidence la perfection de mon Seigneur. Voilà, vous voyez, c'est une lecture en fait où ton cœur il est vivant. Il y a un échange avec la lecture du Qur'an al-Karim. Vous comprenez? C'est important ce type de lecture. Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, insistait beaucoup là-dessus. Sur cette notion de lecture du Coran qui est vivante. Cette notion de mémorisation du Coran qui nous change. Parce que si mémoriser le Coran, c'est uniquement de mémoriser des lettres, mémoriser une mélodie de la récitation, bien sûr, on aura une récompense. Mais c'est tout à fait normal que ça ne puisse pas au final nous changer réellement. Pourquoi? On est aussi fa'il. C'est-à-dire, le Qur'an ou le Karim, on n'est pas juste maf'ul bihi quand on est en train de le lire. On ne subit pas simplement une action. D'accord? On a une interaction avec le Qur'an et le Karim. Je lis un verset sur l'enfer, il faut que je m'arrête. Vous savez, la sunna, même pendant Salat Tarawih, en tout cas les prières non obligatoires, et dans la lecture du Qur'an et le Karim, vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je ne parle pas des obligatoires, pas des prières obligatoires, il avait une interaction avec le Qur'an. Quand il passait sur une ayah qur'aniya qui parlait de l'enfer, vous savez ce que faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il s'arrêtait et il faisait du'a. Allahumma ihfadna min an-nar. Allahumma ihfadna min an-nar. Allahumma ihfadna min adhab an-nar. Quand il passait sur des versets qui parlaient du paradis, qu'est-ce qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il s'arrêtait et il faisait du'a. Allahumma arzuqna al-jannah. Allahumma adkhilna jannataka ya rabbal alamin. Vous voyez cette interaction? C'est une vraie interaction avec le Qur'an et le Karim. On va aussi parler maintenant des saisons de nos vies. Alors on va se poser la question, quelles sont les saisons de ma vie? On a en termes généraux 4 saisons. Alors je ne suis pas en train de dire que ces 4 saisons qui sont l'une après l'autre, c'est une métaphore, d'accord? Mais on a en termes généraux 4 saisons. On a la saison des bienfaits, d'accord? Faslu ni'am. Il y a des périodes de ta vie, akhil karim, Allah Azza wa Jal te donne tout. C'est vrai ou pas? On dirait que tu es en train de voler, tu touches pas le sol, tu es en train de voler au-dessus du sol. Allah Azza wa Jal te donne tout, il te donne la réussite dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. La clé, chaque saison, il lui faut des vêtements. Si par exemple je suis en hiver et que je mets une petite chemise, ça va pas, c'est vrai ou pas? Et si je suis en été et que je mets un gros manteau, ça ne marche pas. Eh bien en fait, il faut se dire que pour chaque saison, il y a des vêtements. Chaque saison a son vêtement. La saison des bienfaits, elle a un vêtement, le vêtement c'est le shukr. Savoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On a à l'inverse de cela, la saison des épreuves. La saison des épreuves. Face au libtila. Et le vêtement pour les épreuves, c'est quoi? C'est la patience. Pas une patience parce que tu as une nature patiente. Une patience qui est liée à notre dogme, à notre i'tiqad, à ceux en qui on croit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à celui en qui on croit, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que je n'ai pas une patience parce que j'ai un caractère patient. J'ai une patience parce que je m'en remets à Allah azza wa jal. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a la troisième saison qui est la saison de la désobéissance. Allahumma ihfadna. Faslul ma'asi. Wal-isyan. C'est quoi le vêtement de cette saison-là? At-tawba. C'est le repentir. Allahumma ja'alna min at-ta'ibin. Et on a enfin la saison de l'obéissance. Faslul ta'a. Et le vêtement de cette saison-là, c'est la servilité. Dhul. Savoir s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. On répète, on a 4 saisons. Quelles sont les saisons? Je vous écoute. La saison des bienfaits, ni'am, ahsant. C'est quoi le vêtement pour la saison des bienfaits?
Al-shukr, savoir remercier Allah Azza wa Jalla. Ensuite, la saison, l'inverse, la saison des épreuves. Et c'est quoi le vêtement? Al-sabr, le fait de savoir patienter face à Allah Azza wa Jalla. La troisième des saisons, c'est laquelle? Celle des ma'asi. Celle malheureusement durant lesquelles on est faible et on s'éloigne de ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de nous. Et c'est quoi le vêtement pour cette saison-là? Tawba, le repentir. Et la quatrième des saisons, c'est laquelle? Celle de l'obéissance. Et c'est quoi le vêtement de l'obéissance? Le quoi? La servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Autre question. Comment vivent ceux dont l'âme est dominée par la passion? Parce qu'on va parler de ceux qui vivent avec une âme qui n'est pas dominée par la passion. Eh bien, c'est très simple. On a beaucoup de versets qui en parlent, mais celui que je préfère citer, c'est celui-ci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ce qui signifie, et ceux qui se détournent de mon rappel, ils vont mener une vie pleine de gêne. Danka, vous avez en darija mdayyq, serré. Tu vois, c'est comme si en fait tu mènes une vie, c'est comme si avec quelqu'un de très musclé, tabarakallah, il t'accroche et il te serre comme ça. T'arrives pas à respirer, t'es pas bien, tout ce que tu fais, il n'y a pas de baraka. Quand tu parles aux gens, t'es méfiant, t'as un su'dhan, t'as une mauvaise opinion de tes frères. T'es toujours en train de voir tout le monde contre toi. Tu vois, c'est ces moments de ta vie. Et ben ça, c'est les moments où on est éloigné d'Allah Azza wa Jalla. Il va mener une vie qui est pleine de gêne. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, et nous, dans le sens du verset, et nous allons le ressusciter au jour du jugement en étant aveugle. Et lui va dire, قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Et Allah, pourquoi? Ô toi mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité en étant aveugle alors que dans la vie des Sibas, je n'étais pas aveugle, j'étais voyant. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. De la même façon que nos preuves te sont venues. Fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa. Les preuves d'Allah te sont venues. Tu les as oubliées, sciemment ou non sciemment. Et bien de la même façon, aujourd'hui, toi, tu es oublié. Voilà comment vivent ceux qui sont loin d'Allah Azza wa Jalla. Et ils auront beau te dire qu'ils sont heureux par rapport aux choses qu'ils possèdent. Vous savez, une personne qui veut remplir, comme un récipient du bonheur, c'est pas la bonne façon de dire. Une personne qui pense que plus elle va posséder, plus elle sera heureuse, c'est une personne qui ne cherche qu'à remplir son nefs, son ego. Et c'est vrai que l'ego aime bien. Et c'est vrai que l'ego, lorsqu'on lui donne toutes ces choses-là, alors, on parle maintenant d'une âme, un ego, un nefs qui n'est pas éduqué, qui est comme un animal en cage en fait, comme un animal sauvage. Eh bien l'animal sauvage, tu lui jettes de la viande, il est content, c'est vrai ou pas? Eh bien, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont violents, se sentent bien. C'est parce qu'ils ne sont pas éduqués. Il y a des gens qui, lorsqu'ils volent et qu'ils arrivent à avoir un maximum de choses qu'ils possèdent en plus par le vol, ils se sentent bien. C'est parce que leur âme n'est pas éduquée. Il y a des gens pour qui pouvoir s'imposer aux autres et leur faire des injustices pour avoir le sentiment d'exister en se sentant supérieur à eux, ils se sentent bien. C'est-à-dire, ils ressentent un bonheur, attention, dans leur conception des choses. Mais c'est le bonheur de qui ? De leur âme. Et de quelle âme? L'âme bestiale. Ou en fait, cette personne-là n'est plus qu'un corps. Il y a des gens, pour assouvir leur passion, ils sont prêts à faire des centaines de kilomètres, à mettre tout l'argent qu'ils possèdent, à mettre tout leur toute leur énergie dans ces choses-là, simplement pour pouvoir parvenir à cela. Ces mêmes personnes-là, tu leur dis de s'asseoir 20 minutes pour mémoriser un verset du Coran al-Karim, ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas, parce que leur âme est trop noire. Et leur cœur est en train de mourir. Allahumma ihfadna. Il faut aussi essayer de se dire ça. Vous savez, parfois les gens arrivent le mois de Ramadan, ils veulent faire des efforts et lire le Coran. En fait, ils n'y arrivent pas. Vous savez que ça doit faire peur, ça. Quand j'ai envie de lire le Coran, mais je commence à m'endormir, je m'ennuie, je regarde mon téléphone. Vous savez, ça veut dire quoi, ça? T'es pas digne de lire le Coran. Allahumma ihfadna. Ça doit nous faire peur, ça.
J'avais envie d'aller faire tarawih ou j'avais envie de prier la nuit, mais j'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne voulait pas de toi ce soir. Ça doit nous faire peur ou pas? Une personne qui vit fil rafla, qui est dans l'oubli, ça ne va pas lui faire peur. Il va faire quoi? Il va se donner quoi? Des alibis. Les mêmes que tout à l'heure, je suis de telle origine, je peux être en colère, c'est pas grave. Des alibis. Non, mais en ce moment, khair, inshallah, on verra plus tard, on verra après Ramadan. Puis les années passent. Et plus les années passent, et plus les habitudes s'inscrivent dans nos cœurs. Et moins on a la capacité à les délaisser. Et plus ces habitudes nous dominent. Qu'Allah nous préserve. Donc, comment vivent ceux dont les âmes sont dominées par les passions? C'est très simple. Ils vivent avec un nefs qui est au service de leur corps, tout simplement. Tout simplement. Alors, on se pose la question. Comment vivent ceux qui sont libérés des passions? Regardez, je vais vous donner une phrase que j'aime beaucoup dire, parce qu'elle est magnifique, tabarakallah. C'est l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, qui rapporte cette parole. On a un homme qui s'appelle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui a été de très nombreuses fois emprisonné et même torturé pour ses convictions religieuses. On ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. C'est un des plus grands ulema que cette terre ait porté. D'accord? Vraiment, c'est une mawsoua. Cheikh al-Islam rahimahullah est arrêté et jeté en prison. Et là, en face de lui, ses élèves. Et ses élèves sont dans le désespoir. Vous savez, la relation qu'un élève a avec son cheikh, c'est une relation qui est très très forte. Quand les âmes sont éduquées. Quand les âmes ne sont pas éduquées, eh bien les gens en fait considèrent le cheikh ou considèrent l'imam simplement comme une personne « j'ai payé, donne-moi mon cours, je viens, prie pour moi ». Ça c'est les âmes qui ne sont pas éduquées, c'est les âmes bestiales. C'est les âmes les plus basses qu'on puisse trouver. Mais quand l'âme est éduquée, vous savez on aime les gens pourquoi? Pour le ilm qu'il porte. Et plus une personne porte de la science, et plus on l'aime. Et quand on a en face de nous, par exemple, quelqu'un qui est « hamil li kitabillah », quelqu'un qui a mémorisé tout le Coran, avant même de voir sa personnalité, avant même de voir ce qu'il dit ou ce qu'il fait, on voit que cet homme-là, Allah Azza wa Jalla l'a honoré par le fait de mettre dans sa poitrine le Coran et le Karim en entier. Khair, inshallah, on est parti. Donc, comment vivent ceux dont l'âme est libérée des passions? On a donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Oui, parce qu'on parlait de la relation entre l'élève et le cheikh qui est très importante. Donc Cheikh al-Islam rahimahullah rentre en prison et on a ses élèves qui sont autour de lui, qui sont dépités, qui sont désespérés. D'accord? Et il leur dit une phrase qui est restée dans l'histoire. Faqal ma yasna'u a'da'i bi. Qu'est-ce que feront mes ennemis de moi? Ana jannati wa bustani fi sadri. Moi, mon paradis et mon petit jardin de la foi, il est dans mon cœur. Il parle de sa foi là. Aynama ayna ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Où que j'aille, ce jardin là, il reste avec moi, il ne me quitte pas. Inna habsi khalwa. M'emprisonner, alhamdoulillah, ça va me permettre d'écrire plus. C'est une isolation des créatures pour me consacrer à mon créateur. Wa qatli shahada. Mon assassinat, je suis shahid, je rentre au paradis, inshallah, walhamdulillah. Wa ikhraji min baladi siyaha. Et si tu m'expulses de mon pays, alhamdulillah, c'est du tourisme. Bon, Cheikh al-Islam, quand il dit tourisme, c'est aller voir d'autres ulema pour prendre des hadiths, hein, qu'on se comprenne bien. C'est pas tourisme en Malaisie pour aller faire du 4x4, hein, d'accord? Donc il dit, mais les pauvres, mes ennemis, parce qu'en fait, ces élèves, ils sont désespérés, ils le voient en prison. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi, mes ennemis? Moi, mon paradis est dans mon cœur. Tu me mets même en prison, mon paradis est dans mon cœur. Où que j'aille, il est avec moi. Tu m'enfermes, ça me permet d'écrire. Vous savez que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'a jamais autant écrit qu'en prison. C'est pas ajib ça? Il a jamais autant écrit qu'en étant en prison. Regardez comment ils réfléchissaient, ces gens-là. Oui. Ça, c'est les gens qui vivent avec une âme qui est libérée des passions. Allahumma ja'alna minhum. Donc, on a dit quelles sont les saisons de la vie? Comment vivent ceux dont l'âme est dominée par les passions? Comment vivent ceux dont l'âme est libérée des passions? Mais maintenant, on va se poser des questions. Quelles sont les voies de la purification de l'âme? Là, maintenant, on va pouvoir commencer à voir un petit peu comment on fait pour purifier son âme, inshallah ta'ala. On va voir les conditions, certains piliers et certains outils. Les conditions, certains piliers et certains outils.
Une des conditions, et ça les ulama de Tazkiyat al-Nafs, les savants de la purification de l'âme, en parlent beaucoup, ils nous parlent d'un concept qui est la connaissance de soi-même passe par la connaissance d'Allah. La connaissance de soi-même passe par la connaissance d'Allah. Ma'rifatun nafs takunu bi ma'rifati Allah 'azza wa jalla. Ma'rifatun nafs takunu bi ma'rifati Allah 'azza wa jalla. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon très simple et imagée. On connaît tous Allah 'azza wa jalla vis-à-vis de ses noms et ses attributs. D'ailleurs, si on veut connaître Allah, il faut lire des livres sur les noms et sur les attributs d'Allah. C'est comme ça qu'on apprend à le connaître. Parce que sinon, en fait, une personne, il y a beaucoup de musulmans, tu leur dis « parle-moi d'Allah », bah ils n'arrivent pas, en fait. Allah, il nous a créés, et puis il a créé le paradis et l'enfer, et puis il voit tout. Voilà. Ah non, c'est plus que ça. « Walhamdulillahi rabbil alamin ». Donc en fait, comment on fait pour connaître Allah ? On connaît Allah à travers ses noms et ses attributs. C'est pour ça que le fait de lire des livres ou d'écouter des conférences sur les noms d'Allah nous permet de connaître Allah. Donc plus je vais connaître Allah, plus je vais connaître sa perfection. Kamalullahi azza wa jalla. Et plus je vais connaître la perfection d'Allah, et vous devez remarquer une chose, c'est que les caractéristiques d'Allah sont parfaites, les caractéristiques des hommes sont imparfaites. Mais les caractéristiques d'Allah, on les retrouve en nous, pour la plupart, pas tous bien sûr. Comme par exemple, Ar-Rahma, la miséricorde. Si tu connais la miséricorde d'Allah, tu sais que cette miséricorde est parfaite. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla a divisé sa miséricorde en 99 parts, qu'il en a descendu une seule dans cette vie d'ici-bas, comme huwa mazkur fil hadith, et que par cette miséricorde qu'il a descendue ici-bas, eh bien, on voit l'amour de la mère pour son enfant, et on voit même les animaux carnassiers et féroces qui ne mangent pas leurs petits et qui les protègent et qui les nourrissent. Ça, c'est juste les conséquences d'une des parts de miséricorde. Et il en reste 99 pour le jour du jugement, pour qui ? Pour les mu'minoun, pour les croyants. Inch'Allah. Allahumma ja'alna minhum. Donc quand tu connais la miséricorde d'Allah, tu te dis, bon, c'est vrai que c'est une perfection, on va essayer de descendre un petit peu et voir quelle est la créature humaine qui a la caractéristique de la miséricorde qui est la plus proche de la perfection. C'est qui ? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on compare ensuite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est quoi notre base ? C'est Allah azza wa jalla. Et ensuite on arrive à nous-mêmes. On se dit, subhanallah. Une chose simple. Moi, quand mes enfants, ils me habbalent, vraiment, quand mes enfants, ils ont fait quelque chose de grave, tu vois, et qu'il faut rester calme et que ça sert jamais à rien de taper les enfants. Tu tapes un enfant, tu es juste en train de le durcir, et plus tard, quand le professeur va lui crier dessus, ça lui fera rien du tout parce qu'il est habitué à se faire taper à la maison. Donc, voilà, en plus, il est dur, après, etc. Et puis, entre nous, taper un enfant, ça sert juste à nous défouler, ça sert pas à l'éduquer. On n'éduque pas un enfant, en fait. Les coups, c'est pour dresser. On dresse un animal peut-être, et encore, même taper un animal, hein. Mais les coups, c'est pour dresser. Les paroles, c'est pour éduquer. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui s'étonnent d'avoir des enfants qui agissent comme des animaux, alors qu'eux les ont élevés comme des animaux. Mais en fait, quand quelqu'un te fait du mal et que tu n'arrives pas à lui pardonner, regardez combien de fois on a désobéi à Allah Azza wa Jal, et pourtant on espère le paradis ou pas. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, en fait, c'est ça. Se connaître par la connaissance d'Allah. Plus on va connaître les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus nous on va essayer de ressembler à ce modèle-là. Et c'est là que la connaissance d'Allah nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et en plus ça développe ce qu'on appelle l'humilité. At-tawadhu. L'humilité. Si tu connais Allah, tu ne peux pas être orgueilleux. Et c'est une des raisons pour lesquelles on attend un hadith qui parle de l'orgueil. Parce qu'en fait une personne orgueilleuse, c'est une personne qui fondamentalement ne connaît pas Allah azza wa jalla. من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. Ne rentrera jamais au paradis celui qui a ne serait-ce que un atome d'orgueil dans le cœur. Mais quand on connaît Allah Azza wa Jalla, comment tu veux qu'on soit orgueilleux? C'est pas possible. On sait qu'on est des créatures faibles. Allah Azza wa Jalla nous rappelle très souvent de quoi on a été créé, d'une goutte vile. Ensuite, on a été mis dans le ventre de nos mères. Ensuite, on a été formé dans ce ventre-là. Ensuite, on est né, on n'avait aucune puissance. C'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout. Comment tu peux être orgueilleux envers les gens quand tu as conscience de ça? L'orgueil ne naît que d'un oubli de ces notions-là. Donc, plus on connaît Allah, et plus on va se connaître nous-mêmes. Mais dans l'inverse, Allah est parfait,
Et nous, on est imparfaits, bien au contraire. Deuxième des choses, les piliers de cette muhasaba. C'est des choses simples que je vais vous dire. Première des choses, être en accord avec la sharia d'Allah azawajal. Ah, ça c'est important ça. C'est-à-dire en fait, il y a des gens qui parfois écoutent des conférences sur la purification de l'âme ou voudraient être dans des degrés extrêmement hauts de la piété, mais passent leur vie dans le haram. Ça ne marche pas en fait. Vous voyez ce qamis blanc là ? On prend l'image du qamis blanc. C'est ta foi. D'accord ? Plus il est blanc, plus ta foi est pure. Les péchés, c'est du cambouis, c'est du goudron, c'est de la terre que tu mets dessus. Il y a des gens qui veulent obtenir, qui veulent avoir un qamis blanc, et donc obtenir la baraka d'Allah Azza wa Jal, les bénédictions d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, le fait de quand tu dis Allahu Akbar, tu es en train de t'envoler, c'est une façon de parler, hein, tu t'envoles. Ton esprit s'évade. Ils veulent obtenir cela, mais ils vivent dans le cambouis, dans le goudron, etc. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Premier des éléments, si on parle de tazkiyat ton nefs, c'est les choses simples. Délaisser le haram, délaisser l'illicite et faire l'obligatoire. Et vous savez que le fait de délaisser le haram et de faire l'obligatoire, c'est la définition que donnent beaucoup de ulémas, ce qu'on appelle la taqwa, la crainte révérentielle. C'est déjà ça. Walhamdulillah. Donc premier des éléments, être en accord avec la sharia d'Allah Azza wa Jal et délaisser les éléments illicites dans nos vies et faire les obligations comme il se doit. C'est ça la première des choses. C'est pas de lire des livres sur la spiritualité ou quoi que ce soit. C'est déjà ça. Comment est-ce que moi je vais me soumettre ? On revient à la première des choses. J'ai été créé pour être quoi ? Soumis. Comment est-ce que moi je vais me soumettre face aux lois d'Allah Azza wa Jal ? Des lois qui parfois je ne comprends pas pourquoi est-ce que telle chose est illicite. Il y a des choses qui sont illicites, Akhil Karim, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Il y a des choses, tu peux comprendre pourquoi, walhamdulillah. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi c'est illicite. Mais on dit quoi, nous ? Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Qui peut dire sami'na wa ata'na ? C'est les gens qui sont soumis à Allah Azza wa Jal. Ceux qui ne sont pas soumis à Allah Azza wa Jal, ils disent sami'na wa asayna. On a entendu, on a désobéi. Alors on correspond à quoi, nous ? Sami'na wa ata'na ou sami'na wa asayna. Ça c'est une muhasaba. Allah parle. Deuxième des choses, apprendre à accepter le décret d'Allah Azza wa Jal. Donc premier des outils, quand on veut se... Parmi les piliers, pas les outils, on est encore dans les piliers. Parmi les piliers, si on veut pouvoir purifier son âme, on doit être dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal au maximum. Au moins délaisser le haram et au moins faire toutes les obligations. On verra après pour le makruh, le détestable, et pour le mandoub, le préférable. Mais déjà, dans l'obligatoire, et délaisser le haram. Déjà, c'est beaucoup. Walhamdulillah. On a dit deuxième des choses, accepter le décret d'Allah Azza wa Jal. Regardez. Encore une fois, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal qui nous permet d'accepter le décret d'Allah. De toute façon, c'est la connaissance d'Allah qui nous permet d'être musulmans. Sahoulala. Pour le décret d'Allah, il y a un certain nombre de noms d'Allah, si tu les as en tête, que tu les as étudiés et que tu les comprends, quoi qu'il t'arrive et quoi qu'il arrive, tu l'accepteras. Mais tu ne vas pas l'accepter parce que tu es quelqu'un qui a, comme on dit, sadruhu wasi', tu as une poitrine large et tu es capable d'encaisser plein de choses. Par connaissance d'Allah, un certain nombre de noms. Premier des noms d'Allah, Al-Adl. Parmi les noms d'Allah, Al-Adl, qui est aussi une sifa. La justice absolue et parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah azza wa jal, on a la certitude, comme élément dogmatique dans notre vie, que tout ce qu'il fait, que tout ce qu'il dit, est juste. Quoi qu'il arrive. C'est important ça. Deuxième des éléments, Allahu huwa al-alim. Allah connaît toute chose. Allah sait exactement comment j'aurais réagi si cette épreuve ne m'était pas arrivée. Allah sait exactement la vie que j'aurais eue si ce bienfait ne m'était pas arrivé. Allah connaît toutes choses. Comme Allah Azza wa Jal le dit lui-même dans Surat Rafir, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît les trahisons des yeux. Au passage, dans ce verset, la trahison des yeux, c'est quand on utilise ses yeux pour autre chose que l'adoration, dans le haram. C'est une trahison des yeux, par exemple. D'accord ? Et ce que les poitrines cachent. Al-Adl, Al-Alim, le juste absolu.
celui dont la connaissance est parfaite. Al-Hakim, le sage parfait. Parce que regardez, tous les noms viennent en fait ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un pourra avoir une connaissance, mais ne pas utiliser cette connaissance dans la justice. Mais Allah, c'est l'Aql. Quelqu'un pourra avoir une connaissance, mais ne pas utiliser cette connaissance avec sagesse. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, c'est l'Hakim. Et quatrième des éléments, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْقَادِرُ. Allah Azza wa Jal est capable de tout. Il est omnipotent. Et il est omniscient. Vous voyez ces quatre noms-là? Tout ce qui t'arrive dans ta vie, retenez bien ça les frères, ces quatre noms-là, tu les étudies, quoi qu'il arrive dans ta vie, Inch'Allah, tu es rardé, tu acceptes. Après, il y a des degrés différents dans Rida. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais bon. Donc, deuxième des choses, à apprendre à accepter le décret d'Allah. Et troisième des piliers, combattre son âme. Vous voyez comment ça se passe? Si on n'a pas certains piliers, on ne peut pas espérer obtenir certaines choses. Et parfois, en fait, moi, ça m'arrive parfois de voir des gens, mashallah, qui viennent me voir à la fin du Jumu'ah, après Salat al-Jumu'ah, et ils m'expliquent que ça ne va pas dans leur vie. Khair, inshallah. Vous savez, les premières questions que je pose, c'est quoi ta vie? Ça ne va pas dans ta vie, mais c'est quoi ta vie? Ton argent, il est halal ou il n'est pas halal? Tes enfants, tu les as élevés comment? Est-ce que tu es un homme de parole? Est-ce que tu es une personne qui fait attention à Birr al-Walidain, à Silat al-Rahim, au lien de parenté? En fait, des éléments de base qu'on nous a appris quand on était tout petit, enfin, pas moi, mais vous, que vous avez appris quand vous étiez tout petit, des choses de base. Et en fait, les gens sont tellement habitués aux éléments constitutifs de l'islam que parfois ils les délaissent, mais ils veulent quand même obtenir les fruits. Ça ne marche pas. Si on veut obtenir les fruits, il faut planter la graine, il faut arroser l'arbre, il faut y faire attention, il faut qu'il pousse, et ensuite on a des fruits. C'est vrai ou pas? La piété, ce n'est pas un truc qu'on commande sur Amazon ou qu'on va acheter à la boucherie. Donnez-moi 3 kilos de piété emballés, s'il vous plaît, c'est pour offrir. Non, ça ne marche pas. Les outils, l'intelligence et la fitra. L'intelligence et la fitra. C'est-à-dire, on a tellement de gens, subhanallah, dans la communauté musulmane qui ont fait des études, mais au lieu d'utiliser ces études dans une intelligence profonde, parfois, ils s'en servent pour autre chose. Donc, une intelligence musulmane, c'est-à-dire avoir une grille d'analyse de l'islam. Exemple simple. Lorsque je vois une chose qui arrive dans le monde et qui m'attriste, j'ai conscience que c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu cette chose. Lorsque je vois une personne en face de moi, je ne vois pas simplement un homme ou une femme, je ne vois pas simplement un homme de telle origine, peut-être de mon village ou pas de mon village. Je ne vois pas une personne qui a tel métier, tel statut social, tel compte en banque peut-être. Je vois en lui une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. En fait, ça veut dire ne pas mettre l'islam en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième position. C'est-à-dire en fait, tu vis l'islam. L'islam se vit, il ne se pratique pas. On pratique le sport, c'est vrai ou pas? On pratique la boxe thaïlandaise, le taekwondo, le basket, ça on pratique. L'islam, on ne le pratique pas. L'islam, on le vit. Et ça, c'est un des éléments très importants. Ça veut dire qu'on n'est pas musulman à la mosquée uniquement. On n'est pas musulman pendant le Ramadan uniquement. Ou on n'est pas musulman uniquement pendant le fait qu'on soit en train de faire siyam. Il y a plein de choses qui s'impliquent. Quand tu es un musulman, tu es soumis. Quand tu es un musulman, tu fais partie d'une communauté. Ça veut dire que ce qui arrive à tes frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde, ça doit te toucher. Ça doit me toucher. Ça doit nous toucher. Tu vas en termes de communauté musulmane, tu vas en termes de création d'Allah, etc., etc. Donc ça, c'est une intelligence musulmane. Et la fitra, savoir revenir à sa fitra. Je vais finir par vous mentionner des règles. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de hadillah, mais je ne vais pas faire parce que ça fait longtemps, je pense, que je suis en train de parler. Donc on va finir la conférence assez rapidement, inshallah. On va simplement reprendre un certain nombre de règles qu'a mentionné Cheikh Abdelzak al-Badr. Je ne sais pas si vous connaissez Abdelzak al-Badr. Cheikh, il est à Médine, c'est un des grands mashaykhs. On a eu l'honneur de s'asseoir à ses pieds pour pouvoir étudier chez lui, alhamdoulilah. Et c'est quelqu'un de très spirituel, mashallah, qui a une spécificité, qui a une spécialisation dans la aqidah, dans le dogme, d'accord? Mais pourtant, c'est un amoureux d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il rapporte des belles choses. Si vous la regardez sur internet, ce sera Abderrazak al-Badr. Oh là là,
Abdelzak al-Badr, d'accord ? Donc il ramène un certain nombre de règles. Je vais vous les lire, il y a plein de hadiths là, je ne vais pas vous les citer, d'accord ? Sachez, mais bon, c'est pour aller un peu plus vite. Première des règles, la purification de nos âmes est détenue par Allah Azza wa Jal. Ah, c'est super important de se le rappeler. C'est pas parce que toi tu veux l'obtenir et que tu as fait les causes que tu vas l'obtenir. C'est Allah Azza wa Jal qui détient la purification des âmes de tous. Ce qui nous amène à une deuxième règle. On doit demander la purification de nos âmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah détient tout. Khaliqu kulli shay. Il est le créateur de toutes choses. Donc si on veut obtenir cette chose-là, il faut lui demander en l'invoquant. Troisième des choses, la base de la purification et son pilier, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez quoi ? L'unicité, on la connaît en l'étudiant. Et il est important ici de se dire une chose. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir imam. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit prendre des dizaines et des dizaines d'heures de cours. Mais je suis en train de dire, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ma'louma bid-daroura, qui sont connues dans notre dîme, qu'on n'a pas d'excuse à ne pas les savoir. Parmi ces choses-là, le tawhid d'Allah. Et le tawhid d'Allah azzawajal, l'unicité absolue, vous allez me dire, mais c'est facile. J'adore pas un autre qu'Allah. Je me prosterne que pour Allah. Non, c'est plus compliqué que ça. On a le polythéisme qui est apparent. On a le polythéisme qui est caché. On a des gens qui vont venir au jour du jugement avec plein d'actions, le hajj, la umra, les salawat, les prières. Et tout ça, ça va être balayé du revers de la main. Pourquoi ? Parce que d'une façon discrète, qui s'est immiscée dans leur âme, ils n'étaient pas sincères envers Allah Azza wa Jalla. La sincérité est une chose qui s'étudie. Et pour pouvoir garder cette sincérité, il faut étudier quoi ? Le shirk, le polythéisme. Savoir exactement ce qui est à l'opposé du tawhid. Parce qu'une personne peut faire le tawhid, mais en même temps faire du shirk. Je vais vous donner un exemple qui va tous vous parler. Walhamdulillah, ça a disparu en France en termes généraux. Vous vous rappelez ce qu'on appelle le ktab ? Je vous parle en dalija, faites un pas vers moi. Je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi, je vous parle en dalija. Ktab. Les petits pendentifs que les gens accrochaient autour de leur cou, vous vous rappelez de ça ? Ça, jusque dans les années 2000, les gens, elles avaient ça, les femmes du bled, elles avaient ça, etc. En fait, c'est quoi ? Ils prennent quoi ? Ils prennent un papier, d'accord ? Ils prennent, akramakumullah, le sang des règles d'une femme, ou alors ils prennent une najasa, quelque chose d'impur, et ils écrivent le début d'un verset coranique avec la fin d'un autre verset afin de changer le sens. Et ensuite, ils mettent des noms de shayatin, d'accord ? Ils te mettent ça dans un petit papier. Il te le passe, il te dit garde-le sur toi, ça va te protéger. Il t'a fait un sihr. Et toi, tu portes le sihr. Et tu crois que le sihr, la sorcellerie, tu crois que le sihr, il va te protéger. Eh bien, ça, par exemple, une personne qui adore Allah Azza wa Jal, qui ne se prosterne que pour Allah Azza wa Jal, il fait ça. Mais il va prendre ça l'été quand il rentre au bled et il le ramène avec lui. C'est du shirk billah Azza wa Jal. C'est du polythéisme. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ? On a d'une part ithbat al-tawhid et d'autre part on a muharabat al-shirk. On a d'une part appliquer le tawhid, oui, mais il ne va pas tout seul. Il faut connaître ce qu'est le polythéisme pour le combattre. D'accord ? Donc ça c'est important parce que ça fait partie des wasawis de Shaytan de nous dire « Non, c'est bon, tu connais, c'est bon. » Il y a des petits livres, alhamdoulillah, kitab al-tawhid ou d'autres livres, tu les lis, ça t'explique les choses de façon simple et au moins tu préserves ton âme, inshallah ta'ala. Donc la troisième règle, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième règle, c'est dans la lecture du Coran et dans la méditation sur les versets coraniques qu'on va trouver la force, bi-idhnillah, de réformer nos âmes. C'est par le Coran. Et comme il disait souvent Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, « كثير من الناس يعملون حول القرآن ولا يعملون في القرآن » Il y a beaucoup de gens, ils sont en train de te parler du Coran, mais en vérité, ils ne sont pas dedans. Ils se servent du Coran pour illustrer des idées qu'ils ont eux-mêmes. Le Coran, c'est moi, je viens, je suis un récipient. J'aborde le Coran comme une personne. Inch'Allah, on essaie d'être humble dans notre façon d'aborder le Coran. On dit, qu'est-ce que veut notre Seigneur ? Comment je fais pour surpasser cette épreuve-là ? Et on regarde dans le Coran al-Karim. La cinquième règle, c'est, il n'y a pas de pureté pour le serviteur sans le suivi du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une personne veut avoir une âme purifiée, accroche-toi à la sunna du prophète. Sois un amoureux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Essaie de parler comme lui. Essaie de vivre comme lui. Mange comme lui. Dors comme lui. Marche comme lui. Parce que tu l'aimes.
Et c'est comme ça qu'on est un rapproché d'Allah Azza wa Jal. Sixième règle, ne jamais prendre des voies qui sont à l'encontre du tawhid. On a beaucoup de gens qui nous parlent aujourd'hui, bon, je vais aller vite là-dessus, mais des gens qui te parlent de la purification de l'âme, et pour te parler de la purification de l'âme, c'est des musulmans. Ils te ramènent des sagesses du bouddhisme. Ils te ramènent Socrate. Akhil Kalim, c'est un dîn, leur dîn à eux, c'était une religion qui est purement et simplement polythéiste. Par définition, il n'y a rien dans ces choses-là qui puisse m'aider. J'ai le Coran, j'ai la Sunna. Tout ce qu'on pourra trouver de bien dans toutes les autres religions, on l'a dans la nôtre, d'une façon parfaite, non modifiée, et qui nous amènera vers les voies de la piété, Inch'Allah. Septième règle, essayer d'être sur le juste milieu, dans la purification de l'âme. Vous savez, dans la purification de l'âme, il y a beaucoup de choses, hein, mais par exemple, il y a des gens qui ont pris l'habitude pendant le mois de Ramadan de Qiyam al-Layl. C'est magnifique, c'est très bien. Et ensuite, après le mois de Ramadan, ils essaient de continuer avec Qiyam al-Layl. En termes général, ça dure 2 semaines. D'accord ? Ne serait-il pas plus intelligent de se faire peut-être même un ahd, une promesse à soi-même ? J'avais l'habitude de faire 7 fois dans la nuit Qiyam al-Layl pendant le mois de Ramadan. Et si je gardais au moins 2 fois ? Au moins 2 fois. J'essaie pas de reproduire les 7 fois, mais j'essaie de garder au moins 2 fois, gars, au moins 1 fois, et de rester avec ça. Être dans un juste milieu. J'avais l'habitude de lire un juz du Coran par jour, et je sais que en dehors du mois de Ramadan, je ne le fais pas. Eh bien, alors je vais me dire au moins de lire, je sais pas, 8 pages, ne serait-ce que 8 pages. 8 pages comment? Avec la réflexion. 8 pages comment? L'idéal, tu regardes dans un tafsir, dans une exégèse du Coran al-Karim, qu'est-ce que les versets que tu es en train de dire signifient? Et là, en fait, ça te donne quoi? Ça te donne que le mois de Ramadan, ce n'est pas une parenthèse dans ta vie, mais c'est une nouvelle étape dans ta piété. Et ce que tu as acquis pendant le mois de Ramadan, tu ne le perds pas par la suite. Vous comprenez? Comme je disais dans la khutbah, je crois, vendredi, il y a une différence entre être illuminé et être éclairé. Être illuminé et être éclairé. Une personne illuminée, c'est une personne qui vit dans les ténèbres, et parfois elle allume la lumière. Il vit fil dhulumat. Et arrive le mois de Ramadan, on allume la lumière. Après le mois de Ramadan, on éteint la lumière. Ou alors toute la semaine, c'est les ténèbres. Arrive Yawm al-Jumu'ah, le vendredi, on allume la lumière. Et ensuite, on la rééteint. Ça, c'est une personne illuminée. Les personnes illuminées ne sont pas très constructives. C'est des gens qui sont comme des enfants, en fait. Tu vois, l'enfant, un coup, il est gentil, un coup, il est méchant, c'est pareil. C'est un peu des petits enfants. Tu as les gens qui sont éclairés. Éclairés, ça ne veut pas dire qu'il a allumé les lumières à fond. C'est comme s'il avait un adaptateur, comment on va appeler ça? Aidez-moi, Saïdoul, comment? Un variateur de lumière. Il y en a, ils sont dans l'électricité, machallah. Un variateur de lumière atomique. Un variateur de lumière. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est stratégique avec lui-même. On a dit qu'on avait un ennemi qui était notre âme, c'est vrai ou pas? Nafs. On va la dominer, inshallah. Mais comment on fait? Petit à petit. J'allume un peu de lumière. Ah, plus fort pendant Ramadan. Mais je ne remets pas dans les ténèbres, c'est vrai ou pas? J'enlève un petit peu, parce que j'ai conscience que je ne pourrais pas être toute l'année pendant le mois de Ramadan, d'accord? Pendant le mois de Ramadan, on m'insulte, je dis « Ana sa'im », d'accord? Même si chez le Malikiya, il ne faut pas le dire, c'est terme « Ana inni sa'im », mais pendant, en dehors du mois de Ramadan, si tu m'insultes, je ne sais pas si je vais te dire ça, d'accord, tu vois? Donc, si j'ai conscience de cela, et que j'ai conscience de mon âme, eh bien, qu'est-ce que je fais? Avec le variateur, j'ai mis de la lumière, elle était forte, elle va baisser un petit peu, « Khair, Inch'Allah », mais il reste de la lumière, et elle va rester. Ramadan d'après, j'augmente un petit peu. Ramadan d'après, et c'est comme ça, Akhil Karim, plus ta barbe devient blanche et plus t'illumine, Inch'Allah, avec le temps. Allahumma ja'alna min as-salihin. La 8e règle, on va passer directement à la 9e règle, donc qui sera du coup la 8e règle, l'importance de se rappeler le jour du jugement. Donc, Cheikh Abdelzak, hafidhahullah, insistait beaucoup là-dessus. Ça fait partie des choses qui nous permettent de nous purifier. On se rappelle qu'on va tous mourir, qu'on va tous être jugés, et que chaque instant passé dans autre chose que l'adoration d'Allah n'est que pure perte. Regret. On se rappelle tous qu'il y aura un jour où, lorsque nous serons dans nos tombes, nous allons être interrogés par Nakir et Munkir. Man rabbuk ma adinuk man nabiyuk. Qui est ton Seigneur, quel est ton din et qui est ton prophète? On se rappelle ensuite qu'après cela, si on fait partie des gens qui sont destinés au paradis, on aura une tombe qui sera aussi large
qu'un des jardins, ce sera un des jardins du paradis, et ce sera aussi large que pour apporter ta vue à l'horizon, des centaines de kilomètres dans ta tombe. Par contre, si on fait partie des gens qui sont destinés à l'enfer, Allahumma ihfadna, ta tombe va se resserrer sur toi jusqu'à temps que nos côtes viennent s'entrelacer comme ça. Allahumma ihfadna. Et on est dans une des fosses de l'enfer. Et celui qui est destiné au paradis et qui est déjà dans un des jardins, il dit « Ya Rabbal Alamin, fais venir Yawm al-Qiyamah, fais venir le jour du jugement. » Alors que l'autre qui est malheureux, il est en train de demander à Allah Azza wa Jalla de ne pas venir pas faire venir le jour. Ça, c'est ce qui nous attend, les frères. La tombe, elle nous attend tous. Ensuite, on va être ressuscité. Si tu fais partie des non-musulmans, lorsque les non-musulmans sont ressuscités, qu'Allah nous fasse mourir sur l'islam, Ya Rabbal Alamin. Lorsque les non-musulmans sont ressuscités, ils marchent sur le visage, on est tous nus, comme on a été créés. Les non-musulmans ont des ténèbres autour d'eux qui les dévorent, alors que les musulmans ont des lumières, notamment ce qu'on a ici comme marque, notamment partout où l'eau des ablutions a pu être, de la lumière. Ensuite, on attend. 70 000 années d'attente avant que le jour du jugement commence. 70 000 années. Si tu restes pendant un an à attendre, tu vas te dire c'est impossible. 70 000 années. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il va diviser le temps en deux. 70 000 années, effectivement, mais les croyants sincères, ils vont vivre cette période de 70 000 années, vous savez comme quoi? Comme le temps qui sépare Salat al-Dhuhr de Salat al-Asr. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ensuite, le jugement commence. Allah fait ramener la balance. Ensuite, il appelle chacun. On entend l'enfer qui vient, on entend les grondements de l'enfer, on voit les flammes de l'enfer. On est en train d'avoir peur. Et ensuite, il y a des anges, ton nom est appelé. Les anges viennent, te prennent, te ramènent devant Allah Azza wa Jal, et on est jugé. Voilà ce qui va nous arriver à nous tous. Si on a ça vraiment à l'esprit, quand on peut faire quelque chose de haram, est-ce qu'on le fera? On va le délaisser. Quand il y a l'occasion de faire des adorations, on va les faire. Mais on est dans quoi? Dans le rafla, dans un oubli. Et ça, c'est une chose qui nous concerne tous, hein, peu importe notre âge et peu importe notre condition sociale. C'est pour ça que on doit tenter de purifier notre âme, pour la faire revenir à son essence. Son essence, c'est quoi? D'être soumise à Allah Azza wa Jal. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ. Demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des pieux et des pieuses, Ya Rabbal Alamin. اللهم إن جئنا إليك في هذا اليوم صائمين تائبين ونرجو منك رحمتك. On est venu à Allah Azza wa Jal en ce jour en état de jeûne, en se repentant à lui, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa miséricorde, Ya Rabbal Alamin. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. Demande à Allah de nous accorder la sincérité. اللهم اجعلنا من المخلصين ثم من المخلصين. Demande à Allah de faire de nous des gens qui cherchent à obtenir la sincérité, puis d'être de ceux qui ont obtenu cette sincérité, ya رب العالمين. اللهم اجعلنا نحارب أنفسنا ونجعلها في طاعتك يا رب العالمين. Demande à Allah de nous donner les outils pour combattre nos âmes et de faire que nos âmes soient dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihfadna min kulli shar wa min kulli su. Demande à Allah de nous préserver de tout mal et de toute mauvaise chose qui pourrait y avoir autour de nous. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Demande à Allah de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder le fait de la suivre, et qu'il nous montre le faux comme étant le faux et de nous permettre de le délaisser, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.